Je nous connais ni produits pétroliers ces derniers temps fait un pile l'encoulé, gain un pile parole, un pile qui dit sous produits pétroliers. Donc de 2010, je nous connais rivé jeudi à c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État perdu sous forme de subventions des produits pétroliers. Donc nous connais pour yo pas de jambes changer dans Pompio. Ça fait déjà quelques temps. Donc, sous l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, et situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international, il faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans la pompe en Haïti. Le baissé tout. Il faut que nous fassions baisser. Donc, après des consultations avec les différents acteurs concernés, n'oubliez pas les deux distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence et les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire l'association et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis, avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lit. Donc, Pria, la vine passée à 250 gouttes. Nous avons un gazoil, lui-même, et ça nous est le diesel là, qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous avons un kérosène là, qui était à 163 gouttes, il a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça a eu, et il a entré en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, non, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé en petit partie dans la subvention. Hein? Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, ce prix, ça a eu, nous avons gagné, qui va entrer en vigueur dans le pompio à compter de vendredi matin. Ma très courte, dans le sens que, étant donné que mesure, ça a eu, a entré en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence, pour nous assurer que le produit a continué à vendre dans le prix de avant jusqu'à ce que mesure entre en vigueur à partir de vendredi. Comme le ministre Boisvert fait ce dit, il y a un ajustement qui fait sous prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait en fonction souvelé de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur produit ça. Donc, étant donné que pas gagné une augmentation significative qui fait dans la gasoline, nan, donc prix transport, il n'y a pas ajusté, souvelé, n'a pas gardé et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gazoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagné des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient le gazoil. Hein? Donc, l'État en concertation pour le bail une subvention ciblée. Donc, par rapport à subvention ciblée, ça, l'État prend le bail là. Donc, nous gardons, nous conservons jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là. M'a dit peuple haïtien,
c'est pas une décision facile qu'a prend là. Son décision qui m'a dit courage, mais c'est pas de gaieté de cœur. Même gouvernement a prend décision ça. Je dis à la pays en situation à cause insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entre moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police, par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyens n'ont pas là. Je dis à là, avec la suppression de la subvention, l'État prend plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permette d'investir dans construire l'hôpital, construire centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous avons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille.